sans aucun doute, c'est l'ambiance des grands matchs. On est tous impatients de voir cette rencontre débuter. On reste ensemble, le coup d'envoi, c'est pour très bientôt. Aux premières loges pour vous faire vivre ce 8e de finale. Les choses sérieuses commencent enfin dans cette Coupe du Monde. La Suisse contre l'Espagne. Plus le droit à l'erreur maintenant avec ce 8e de finale. C'est une nouvelle compétition qui commence pour les deux équipes. Voici le 11 qui va débuter pour la Suisse. Dans les manuels de football, c'est ça le 4-3-3 conventionnel. Voici la composition de l'équipe d'Espagne. Une disposition 4-5-1, ou plutôt une sorte de 4-3-3. C'est une disposition plus offensive que l'on a l'air. C'est parti avec le coup d'envoi dans ce match. Oh, le tacle mal maîtrisé. L'arbitre s'approche et le carton ne serait pas immérité. Et voilà un carton jaune distribué très tôt dans ce match. Le carton conditionne la suite du match. Il va falloir absolument maîtriser ses interventions. Petit ballon par-dessus, c'est bien donné. Oui, bien fait, le danger est repoussé et l'arbitre qui signale une position de hors-jeu. Velti.
Et l'équipe reprend la possession. Ah non, il est perdu ce ballon. Esther Gonzalez. Et c'est le moment de déclencher. Et le but ! Voilà le premier but du match. C'est bon pour le spectacle. Le secret de ce bombazo, c'est la maîtrise de l'équilibre. Le pied d'appui est bien enfoncé dans le sol. Et derrière, c'est un coup de fouet. Au tableau d'affichage. Avantage, l'arbitre laisse jouer. Zono Gorcevic. Oui, le ballon circule bien. Oh, l'égalisation peut-être. Oui, bien défendu. Terré à Belaïra. Hermoso. La passe est mal assurée. C'est perdu. Avec Bogun. Velti. Un ballon sur l'aile pour aller porter le danger. Avec Bogun. Ça joue avec Velti. La frappe, c'est contré sans problème. Géraldine Reuteler. Et c'est une passe directement dans les pieds de l'adversaire. C'est un ballon de contre à jouer. Une balle jouée en profondeur. Et but ! Ce but ! Qui leur permet de creuser l'écart et de faire le break de longueur d'avance. La victoire se rapproche. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. La finition à mi-distance avec cette frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie. On la revoit, elle est imparable. Et deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Reuteler. Kumbasso. Nous sommes installés dans le camp adverse, peut-être une bonne occasion à venir. Et voilà une bonne intervention, ça sort en touche. Ah non, ça va pas ce dribble et du coup ça sort. Terré à Beleira. Ballon pour Esther Gonzalez. Hermoso. Bonne circulation du ballon. Allez, il faut la tenter. Et c'est au fond. Et 1, et 2, et 3 buts d'avance maintenant. On le revoit, les échanges de passes laser qui permettent d'ouvrir un décalage et ensuite c'est facile. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. Go 3-0, c'est le score suite à ce but. Kumbasso.
ballon pour retrouver la possession. Oui, le ballon sur l'aile avec un peu d'espace. Aitana Bonmati à Beleira. Ah, la frappe est contrée. Ballon rendu à l'adversaire. Esther González Rodriguez. Et allez, et encore un but. Quelle puissance offensive. 4 buts d'avance et encore pas mal de temps à jouer. Là, autant de buts en aussi peu de temps, c'est vraiment impressionnant. L'adversaire doit être déjà perdu dans sa tête. Ramona Barman. Ça joue avec Velti. Et belle passe en profondeur. Et ça rentre, but! Plus un donc. Esther González. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Ah, il y a de l'espace pour la tenter. Et voilà, but. On revoit cette frappe légèrement sur l'arrière, ce ballon qui monte et vient s'églisser juste sous la barre. Beaucoup de réussite là-dessus, mais ça fait but quand même. Ah, le jeu reprend et le score est donc de 5-1. Une grosse opportunité, attention. Goal ! Et encore un but dans ce match hallucinant. C'est plus une défaite. C'est une déroute. Et avec ce but, le score est maintenant de 6-1. Velti. Ça joue avec Reuteler. Ah non, ce ballon est perdu. C'est officiel, on jouera encore 2 minutes supplémentaires. Et le ballon change de propriétaire. Tono Gorcevic. Ça joue avec Velti. Et donc on va en rester là. C'est la fin de la première période. Le match reprend et nous espérons que la deuxième mi-temps soit plus équilibrée que la première. Une bonne couverture de balle pour conserver la possession. La balle est interceptée. Esther González. Jenny Hermoso. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Allez, c'était intéressant, mais ce ballon est perdu. Oh là là, quelle mauvaise intervention. Et il pourrait bien y avoir un carton.
et elle est donc avertie sur cette action, carton jaune. Pas de commentaires, c'est une bonne décision. Ramona Bachmann, Géraldine Reuteler. Bien vu, le bon ballon. Attention à cette passe. Super arrêt. Pourquoi pas, ça joue court. Ouais, sous la pression, bonne couverture de balle. Oui, le ballon est intercepté. Et le contre est possible maintenant. Oui, il faut frapper maintenant. Oh là 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 là. Et encore un but. On n'arrive même plus à les compter. Ça s'arrête plus. Ça tourne à l'humiliation cette histoire. On revoit ce but plein d'opportunisme. C'est tout un art hein, d'être toujours au bon endroit dans le bon moment. C'est un score sans appel avec ce nouveau but. Avec Bogun. Ça joue avec Velti. Bachmann. La bonne percée, il faut aller provoquer. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Oh, c'est contré! Excellente défense dans la surface. Ah, même le public là veut une frappe! Quelques secondes pour temporiser. Touche à venir. Oui, la bonne passe. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. On a Battle. À la conclusion peut-être sur ce ballon. Ou la parade. L'arbitre indique donc un coup franc sur cette action. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Ouais, le ballon en cloche par-dessus, c'est bien joué. Ouais, bien placé pour une frappe peut-être. Et le but, c'est son troisième du match. Le coup du chapeau, inarrêtable. Quel phénomène. Le troisième but pour le hat-trick. Quel match. On le revoit sur ce plan. On a l'impression que tout est réussi depuis le début du match. Et avec ce nouveau but, la démonstration continue. L'action se construit dans le camp adverse, en bonne position, et hors-jeu là qui est signalé sur cette bonne occasion. Et le staff décide donc de faire un changement. Avec Bogun.
Interception réussie, ballon récupéré. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Ah, il y a de l'espace sur le côté. Le ballon vers la surface de réparation. Et non, ça ne passe pas. Le ballon est renvoyé. Bien défendu dans sa propre surface. Hermoso. Ça joue avec Bachmann. Ramona Bachmann. Superbe intervention, sans faute. Terré Abeleira. Aitana Bonmati. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Et la passe en profondeur, c'est dangereux. Intervention, super. Lehmann. Et maintenant Maritz. Oui, sans faute. L'ouverture en profondeur. Oh, et cette parade, quelle intervention! Elle vient de nous réaliser! C'est une parade extraordinaire à cette distance. En deux mots, je dirais impressionnante! Voilà, une feinte avec ce corner joué en deux temps. Et il y est ! Ah ben non, il n'y est pas finalement. Le drapeau est levé et le but est annulé. Heureusement que vous êtes là, hein. J'étais prêt à chanter moi. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Et ce ballon est finalement intercepté. Carmona. Jenny Hermoso. La passe par-dessus, c'est dangereux ça. Bombasso sur cette reprise de volée. Un geste plein de spontanéité. C'est somptueux. Le ballon qui s'envole en profondeur, on le revoit très bien sur le ralenti. Il passe par-dessus le premier rideau. Et ensuite, son corps est bien placé en équilibre. La reprise des volets, c'est du tempo et de la coordination. Et c'est donc terminé dans ce match. Qualification pour le prochain tour, à l'issue donc de ce match à l'extérieur. Ça, c'est un match qui vaut de l'or. La victoire est nette. Et avec ça, ils font le plein de confiance pour la suite de la compétition.